un balado féministe et engagé qui parle de santé sexuelle et de sexualité en situation de handicap. Je m'appelle Laurence, je suis co-coordonnatrice à la Fédération du Québec pour le planning des naissances et responsable du projet Access Plus. Je suis une femme blanche, cisgenre, en situation de handicap. Bonjour, je m'appelle Gwendoline. Je suis étudiante au baccalauréat en sexologie et je suis co-autrice de ce balado dans le cadre de mon implication pour l'organisme Les Trois Sexes. Je suis une femme blanche, cisgenre et en situation d'handicap. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui pour un épisode un petit peu spécial. Un épisode bonus! Puisque c'est ça, c'est notre dernier épisode. Donc, on est à la fois triste et à la fois très excité parce que c'est pour nous, ça veut dire la fin du projet, mais la fin d'une partie du projet, puisque c'est la fin de l'enregistrement, certes, mais on a vraiment hâte. Au moment où on enregistre, moi, je suis en train de me dire, j'ai vraiment hâte de lire des réactions, de recevoir des messages, des choses comme ça. Donc, voilà, c'est comme un petit épisode pour clôturer ce beau chapitre. Puis on a les invités aujourd'hui, c'est... Pardon. Les invités aujourd'hui, c'est moi qui se roque la gorge et Gwendoline. Puis on va finalement... On voulait créer cet épisode bonus-là pour vous partager nos ressentis face à l'expérience. Qu'est-ce que ça a été d'animer, de co-animer ce balado-là, de recevoir des invités en temps de COVID? Puis qu'est-ce que ça fait ressortir aussi de parler pendant aussi longtemps, puis de manière assez personnelle, de handicap, de santé sexuelle et de sexualité? Mm-hmm. Donc, on a élaboré certaines questions que Gwendoline va nous poser. Oui, c'est ça. Donc, pour commencer, la première question, c'est je vais te la poser à toi. Oui. Qu'est-ce qui t'a le plus surprise? À quel point les invités qu'on a reçus étaient sensibles, puis à quel point ils se sont ouverts, livrés, ont confié des parties de leur intimité qui étaient quand même... je trouvais que c'était quand même plusieurs dévoilements là, dans tous les épisodes, tu sais, quelque chose de... Il y a certaines personnes qu'on connaissait déjà, donc il y a des histoires que personnellement moi j'avais déjà entendues, quand on recevait plutôt des amis ou des connaissances sur le balado, des fois on le mentionnait, des fois non, mais je pense que je me rends compte, je suis un peu fébrile à l'idée que là ces histoires-là vont être diffusées sur un podcast, puis que les gens vont pouvoir... les écouter puis être vraiment surpris comme je l'ai été surpris la première fois que je les ai entendues, ces histoires. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est... il y aurait justement à comment ils ont été sensibles puis comment ils ont été généreuses dans leur partage, mais aussi, je pense que le travailler avec Gwendoline, ça a été vraiment le fun et facile. Puis c'est pas donné, je le dis ici, mais c'est pas donné à tout le monde d'avoir un ami avec qui c'est facile de travailler sur un projet qui dure aussi longtemps. Parce qu'il faut se rappeler qu'on l'avait commencé avant le COVID. Puis ça a pris des tournures qu'on n'aurait pas pu prévoir. Ça a été vraiment un long projet. Ça fait longtemps qu'on travaille dessus, un rythme qui a vraiment changé. Fait que ça a été vraiment un plaisir. Puis c'était la première fois qu'on travaillait sur ça ensemble, sur un projet aussi long. Puis ça a vraiment bien été. Oh, je suis full touchée! je suis quelqu'un de très sensible. Fait que c'est facile de me tirer la larme à l'œil. Mais oui, c'est vrai que moi aussi, je suis aussi surprise du fait qu'on a aussi bien réussi à travailler, toi et moi. Puis j'ai trouvé ça extraordinaire parce que ça peut être un enjeu de s'engager dans un projet qui avait, en tout cas pour moi, qui avait autant d'importance, qui avait une importance vraiment très personnelle, en fait, parce que ça partait d'une idée que j'ai eue, et puis je te l'ai proposée, et puis j'ai hésité parce que je me suis dit, est-ce que ça va bien aller? On se connaissait pas trop à l'époque. On se connaissait pas vraiment. Puis c'est à travers ce processus-là qu'on est, on était amis, on était des connaissances, mais là, on est vraiment devenus beaucoup plus proches. Exact, ouais. Mais donc, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que les invités j'ai trouvé extraordinaire aussi leur capacité à s'ouvrir à nous. À permettre parce que c'est juste, c'est grâce à ces personnes-là que ce balado il existe, puis c'est grâce à ces personnes qu'on a pu avoir une aussi belle richesse de contenu. Parce que certes on peut faire toutes les recherches du monde, mais si on n'a pas une personne qui raconte son propre vécu, c'est pas la même chose. C'est ça. Ça, j'ai trouvé ça vraiment incroyable.
Puis les expériences ici, je trouvais ça super pertinent. Mais c'est sûr, je suis biaisée parce que c'est mon projet, c'est notre projet. Mais je veux dire, il y a beaucoup de témoignages puis d'expériences qu'on a entendues sur le balado qu'on n'aurait pas entendues dans les recherches nécessairement. Mm-hmm. Des expériences qui ne sont pas nommées, qui ne sont pas étudiées. Puis c'est pas parce que... T'sais, on parle des recherches parce que oui, il y a Gwen qui est allée, qui est encore aux études. Moi, ben, je travaille, on a pas, j'ai pas le choix de faire de la recherche aussi dans le cadre de mon travail, mais je veux dire, toutes les formelles, toutes les expériences qui sont nommées ici, même si c'est une histoire peut-être de 2 minutes là, qui était racontée, je veux dire, des fois, c'est qu'on a accès vraiment à un pan d'intimité qu'on n'aurait jamais eu ailleurs, finalement. Oui. Oui, oui, vraiment. Puis moi, il y a une autre, quelque chose qui m'a surprise aussi, c'est que quand j'en parlais autour de moi, les gens étaient vraiment, comme, vraiment excités. Alors, je sais pas, c'est sûr que là, on enregistre, donc on sait pas encore quel impact ça aura, ce balado-là, mais j'ai toujours été très heureuse de pouvoir partager ça avec des gens qui connaissent pas du tout le milieu du handicap, qu'il y en a qui savaient pas non plus que moi j'avais un handicap, donc c'était vraiment, ça a provoqué des discussions extrêmement intéressantes en fait chez les gens, et autant des discussions que aussi des réactions de dire « Ah oui, c'est vrai, je m'étais jamais posé la question » ou des personnes qui permettaient de se remettre en question. C'était vraiment riche. T'as tellement raison, j'avais pas pensé à ça, mais à chaque fois que j'en parlais... les gens étaient surpris, puis j'ai l'impression que je suis rendue à un point où je baigne tellement là-dedans que ça me surprend plus. Puis quand j'ai la réaction des gens, je me dis, ben, il me semble que j'en parle tout le temps. C'est exactement ça aussi. C'est comme si on baigne tout le temps dans le vocabulaire de situation de handicap, dans le militantisme, etc., dans l'activisme, dans les projets et tout, donc forcément on est imprégné de ça, et quand on en parle à des gens qui en ont jamais parlé ou qui se posent pas la question, ben là on fait comme « Oh waouh, c'est vrai, il y a tout un monde dehors qui en a pas encore conscience, puis c'est extraordinaire! » Ouais, fait que t'as raison, les réactions, puisque tu l'as mentionné, là, je réalise que ça suscite vraiment l'intérêt. On verra avec les écoutes... Pour moi, ça vient pas qualifier le projet. Moi, je le trouve vraiment... Je suis encore là. Je suis très biaisée, mais je suis aussi très affichée, là, comme quoi je l'aime déjà. Puis, tu sais, les écoutes, pour moi, je me dis, ben au moins, c'est maintenant, c'est diffusé dans l'espace, qu'on ait des écoutes ou non. Peut-être que ça va prendre un certain temps. Puis, ben au moins, les ressources... Tu sais, cette ressource-là, elle est là, puis elle compte comme une ressource aussi. Oui, oui, absolument. T'sais, oui, ça, c'était vraiment un objectif pour moi. Un objectif à la base de ce projet-là, c'est que... on puisse avoir une ressource d'information dans laquelle qui soit accessible d'une part à tout le monde, toute la population francophone, et que les gens puissent s'identifier à travers cette qui ça permette de briser l'isolement dans le sens où la personne qui raconte cette histoire-là, mais moi j'ai vécu la même chose, puis je pensais que j'étais la seule personne au monde à le vivre. Comme c'est un sentiment que moi j'ai eu, donc j'espère que ça va apporter ça. Ouais. C'est ça. Avais-tu une question? À moins que tu avais d'autres choses que tu reprenais, mais. Non, je pourrais y aller on and on, mais. Oui, c'est ça. qu'est-ce que tu as le plus aimé? J'ai vraiment aimé le temps qu'on prenait de préparation ensemble le vendredi. Souvent le vendredi après-midi, on allait chez Gwen préparer les épisodes pendant des heures. Oui. Pas que j'ai pas aimé les enregistrements, mais ça nous permettait de boire du thé, manger des bonbons, faire le point. Laurence, elle aime les bonbons. Oui, j'aime les bonbons. Puis... à chaque fois, j'en avais, je les sortais, je savais. Comme un enfant, c'est comme avec une thé, des bonbons de chocolat. Les essentiels, tu sais. Elle me le demandait même pas, c'était sur la table. puis je trouvais que ça nous permettait de faire le point aussi sur comment qu'on voit l'épisode, qu'est-ce qu'on veut retrouver. On peut pas contrôler ce qui va sortir nécessairement comme discussion durant tous les épisodes, mais ça nous permettait de brainstormer, de revenir aussi sur ce qu'on avait vécu durant notre semaine, puis comment ce qu'on a vécu aussi dans notre vie personnelle influence notre travail, comment est-ce qu'on veut...
des fois, il y a des choses qui se passent dans nos vies personnelles qui vont influencer ce qu'on veut parler dans... Surtout si ça a touché le handicap, ben, oui. ça va peut-être influencer sur comment on produire le podcast puis tout ça. Mm-hmm. Donc, j'ai vraiment... la question, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment aimé? Ouais, qu'est-ce que t'as le plus aimé? Ouais, qu'est-ce que j'ai le plus aimé? Je pense que les heures de préparation, ça nous permettait de passer du temps ensemble, mm-hmm. plus dans l'informel. Mais aussi... d'avoir un espace pour parler librement. Tu sais, je parle encore dans le cadre d'un rôle professionnel, là, dans mm-hmm. mon cas. Mais je veux dire, on avait quand même pas mal de liberté autour du projet, ce que j'ai aimé. Oui. Parce que c'est ouais. ça, c'est le cadre, le projet Access de la FQPN permet d'avoir cette liberté-là. Mm-hmm. Qu'on a bien... Tu sais, je pense qu'on... On a bien représenté aussi les objectifs, le professionnalisme, là. Je nous lance des fleurs, mais je pense que c'est quand même ça. On est resté professionnel, mais on avait quand même une liberté de pouvoir mm-hmm. s'exprimer pour parler de nos réalités en tant que personnes concernées. Puis de, mm-hmm. j'ai aimé qu'on désigne ce projet-là finalement du début à la fin parce que souvent, mais on se fait inviter dans des conférences où ils nous demandent, mettons, souvent. Je sais pas vous, là, mais en tout cas, moi, depuis que j'étais à la FQPN, c'est là que je me fais inviter. Mm-hmm. Puis souvent, tu as un cadre précis auquel tu réponds oui, à un besoin, puis c'est vraiment correct. Mais ici, avec ce projet-là, on avait pas le champ libre, mais presque. Mm-hmm. Mm. Exactement. C'est vrai, la liberté, ça, c'est quelque chose que c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment très agréable, dans le sens où moi, je suis quelqu'un j'ai beaucoup d'imagination, puis j'aime ça utiliser toute ma créativité, ouais. surtout dans un projet auquel je tiens personnellement, en fait. Mais je dirais que ça m'a aussi permis de développer un sentiment de communauté. Et ça, ça n'a pas de prix. Ouais. Parce ouais. que autant, c'est sûr, avec toi, tu sais, on en parlait. Puis comme tu dis, tu sais, quand on se voyait, on pouvait échanger sur notre semaine, comment ça s'était passé, puis quelles influences, puis tout ça. Mais toutes les personnes qu'on a interviewées, j'ai l'impression que ça fait aussi, ça me donne aussi un sentiment de communauté ouais. parce que je me sens moins seule. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui vivent la même chose que moi, mm-hmm. puis qui font face à des problématiques et des obstacles que j'ai vécu ou même que je vais vivre à l'avenir. Et puis ça, ben, ça fait du bien de ne pas se ouais. sentir seule. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Ouais. Puis je trouve ça... je me disais qu'on arrive à créer un sentiment de communauté en temps de COVID où tout le monde... On fait du stock à distance, oh là là, on produit oui. un projet à distance. Tu sais, je veux dire... On en avait besoin. Ouais, on en avait besoin. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr que ce qu'on n'a peut-être pas dit au cours de la saison, mais c'est que ce projet-là, moi, je l'ai démarré, il a germé dans ma tête en 2019. Genre, il a commencé à germer dans ma tête au printemps 2019. C'est à l'automne 2019 que je l'ai proposé à peu près aux trois sexes. Et puis, c'est à peu près début de l'hiver que je t'ai proposé de faire partie du projet. Ouais. Donc, 2020, on s'était dit, notre timeline, ah, ben, on va enregistrer dans le courant du printemps 2020. Et puis en mars, ben, comme tout le monde sait, il y a une grosse pandémie qui est arrivée. Donc, ça a retardé tous nos projets d'une année parce qu'on se disait... parce qu'on avait vraiment pensé à ce projet avec un enregistrement en présence, de pouvoir faire venir les invités, de tout ouais. ça. Donc, ouais, ça a été quand même une déception. Ouais. Puis ça a été des allers-retours avec « mais est-ce qu'on le fait à distance ? Est-ce qu'on le fait pas à distance ? » Finalement, on a dû se positionner puis ouais. dire « bah oui, il faut qu'on le fasse à distance, sinon ça se fera jamais ouais. ». Je veux dire, puis c'est pour ça, ça a été un choix, on a fait au mieux. C'est tellement vrai, j'avais oublié, mm-hmm. on s'était questionné à savoir est-ce qu'on attend que ça s'arrête, mais en même temps, à ce moment-là, on ne savait pas combien de temps ça allait prendre. Donc, non, on s'est dit, on le fait, et puis voilà. Ouais, ça a été pas facile à gérer, hein, au niveau de la pandémie, de toute la fatigue qui vient avec, en fait. Ouais. Ça nous a affecté ouais. aussi
Mais je pense qu'il y a une question plus là-dessus. Je sais pas si... Qu'est-ce qu'on a le moins aimé du processus? Ouais, je pense que ça le fait... Moi, j'allais le nommer, le fait de l'avoir fait à distance. Ouais. Pour toutes les raisons qu'on connaît, où c'est pas tout le monde qui a accès à des... Tu sais, nous, on avait la chance, avec l'expertise des trois sexes, d'avoir accès à du matériel. Mais je veux dire, c'est vraiment pas tous nos invités qui avaient accès à un bon Internet ou de l'équipement. Oui. Puis c'était... Je me disais, crime, c'est déjà pas facile en pandémie, puis je trouvais que c'était déjà une difficulté de plus. Fallait s'assurer déjà de plein de choses, du contenu, de comment notre approche, puis mettre les gens à l'aise, puis rajoute à ça ben le fait qu'on soit à distance, que ça crée du sens. Mais j'ai pas ressenti de froid avec nos invités parce qu'on avait finalement des bonnes relations, mais il y a quand même une distance, puis je trouve que le fait de on l'a vu, les difficultés techniques que nous-mêmes on a eues, puis tu sais, c'est ça, rajoute à ça la fatigue, qui est une nouvelle fatigue liée peut-être à tout ce qui est électronique, puis cette affaire-là qu'on dépend finalement pour réaliser le projet, que j'étais là, ok, c'est la faute de personne, c'est juste, c'est avec ça qu'il faut dealer en ce moment. Ben oui, en effet. Toi? À distance, puis le fait que le je soulignais que moi je suis un peu une j'aime ça avoir le contrôle sur les choses dans ma vie, puis quand je pouvais pas avoir le contrôle, c'est, j'ai trouvé ça dur. Puis là, c'est un doux euphémisme. Oui, j'ai trouvé ça dur. Ouais, de pas avoir le contrôle là-dessus, puis de un peu de c'est comme c'est mon bébé, ce projet, c'est mon bébé, fait que de le laisser un peu c'est ça, grandir, s'échapper, ou parfois tomber, et puis voilà, c'est ça, on s'est complété dans ce projet là puis c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire, en fait, à travers ce processus. Même s'il y a des choses qui ont été plus difficiles, on s'est vraiment soutenu. Ouais. Quelque chose qui nous a touchés, quelque chose qui t'a touché, si je peux y aller. Vas-y. Eh oui. Quelque chose qui m'a mais en fait ça fait partie de du fait que les personnes qui sont venues témoigner, en fait, se sont livrées, puis ça c'est toutes des choses qui m'ont touchée. Comme j'ai dit tout tantôt, j'ai la larme facile, hein? à plusieurs reprises je me disais, faut que je me reprenne, mais c'est pas drôle, mais c'est compassion. Oui. Mais ce que j'ai trouvé vraiment, ce qui m'a touchée, mais touchée au sens, ça me faisait du bien, c'est aussi de pouvoir m'identifier. C'est comme j'ai dit tantôt, en fait, vraiment de pouvoir m'identifier à d'autres récits. Ça brise la solitude du vécu de femme en situation de handicap, en fait, parce que... c'est comme un chemin plutôt solitaire. Oui. Enfin, jusqu'à maintenant, j'avais l'impression d'être sur un chemin solitaire. Puis finalement, maintenant, je me sens plus soutenue. Et puis, c'est ça. Donc, il y a ça. Puis, moi, je suis plus touchée par... ça vient plus me chercher tout ce qui est rapport à la parentalité. Donc, forcément, quand notre invité... à parler du fait que sa fille s'adaptait, en fait, à son rythme, ça, là aussi ça a été comme difficile de retenir mes larmes, mais j'ai trouvé ça tellement, ça m'a fait du bien, parce que j'ai trouvé ça rassurant. Parce que c'est sûr que dans un avenir un avenir proche, lointain, en tout cas, on verra ce que la vie nous réserve, mais j'aimerais ça devenir parent, puis c'est aussi quelque chose qui m'inquiète, donc j'ai trouvé ça beau puis rassurant, puis ça m'a fait du bien. C'était tellement le fun. C'était fun. Moi, j'ai pas une super bonne mémoire pour me rappeler de tout ce qui a été dit. Ça m'a touchée. C'est parce que j'ai pas eu de moment nécessairement émotif, puis pourtant, je suis aussi super sensible, mais j'ai l'impression que j'ai aimé le fait... je sais pas si je réponds à la question, mais au pire, je vais m'exprimer. Je te poserai des questions de relance. Oui, si jamais je réponds pas à la bonne question. ce que j'aimais, c'est que nos invités, ben c'est sûr, comme elles sont déjà intéressées à parler de leur situation de handicap, leur réalité, c'est juste, elles y ont réfléchi, mais elles y avaient vraiment beaucoup réfléchi. Oui, oui. Elles pointaient des enjeux,
je veux dire, c'était quand même assez radical, puis j'étais très contente. Ouais. C'est ça. Moi, ça me rendait de, vraiment de bonne humeur, mm-hmm. puis ça m'a fait du bien d'avoir cet espace-là pour parler comme ça de handicap. Oui, ouais. De parler avec autant d'authenticité, puis sans utiliser de passe-passe pour utiliser les vrais mots, de nommer les vraies affaires, de souligner quand c'est dur, puis de souligner aussi des victoires qui sont des énormes victoires parfois. Fait que c'est plutôt ça qui j'ai pas touché dans mon cas, mais m'a rendu vraiment fière, puis fière du projet, fière de comment la tournure, fière de nous, en effet. J'aurais une dernière question. Vas-y, de relance. Pas de relance. Une question qu'on pose à nos invités. C'est qu'est-ce que t'aimerais que les gens retiennent? Mais attends, moi j'avais peut-être une dernière affaire à dire avant ça. Je retiens la question, il y a une affaire que je me rends compte que, en jasant, ce qui a changé personnellement pour moi, mm-hmm. et en faisant ce projet-là, ça m'a permis de m'affirmer plus à cette identité, avec cette identité-là de femme en situation de handicap. Mm-hmm. J'avais de la misère à la nommer avant, ce qui faisait que, je me sentais un peu imposteur de faire ce projet-là. J'étais pas sûre de l'expertise. Puis oui, on en a développé une. Ouais. Puis c'est ça, je me rends compte avec les échanges qu'on a eu que ce vécu-là est vraiment particulier. Puis au début, je le disais un peu, je le savais, mm-hmm. je le supais pas trop, mais ça m'a vraiment permis de plus m'affirmer avec cette identité-là, puis de plus faire mes recherches aussi de mon côté, mm-hmm. De travailler sur mon capacitisme intériorisé. Puis je l'ai nommé comment je suis arrivée à m'intéresser à la santé sexuelle. C'est par le biais du dating, puis mm-hmm. c'est notamment dans cette sphère-là personnelle à moi où je vois qu'il y a vraiment une différence versus il y a un an comme où je nommais jamais mon handicap versus mm-hmm. maintenant où je suis là, oui, j'en ai un, fait que je vais juste leur envoyer, tu sais, les gars à qui je parle, je vais juste leur envoyer des liens hypertextes vers la page Instagram du balado, vers les entrevues que j'ai déjà faites. Si t'as des questions, je peux y répondre, mais sinon, le gros, il est là. Tu sais, j'ai déjà tout dit, donc va consulter, tu sais. Va consulter les liens que je t'envoie, mais ça m'a vraiment permis de plus m'affirmer. Oui, t'as raison, tout à fait. Puis j'aurais le goût de te reposer la question avant de répondre à la question de fin. Mm-hmm. Donc toi, qu'est-ce que ça... Si ça a changé quelque chose... Moi, je pense aussi dans l'affirmation. Mm. Dans le côté affirmation. Parce que ça m'a permis, en fait, de trouver, en fait... Comment dire? J'aurais jamais pensé que je pourrais utiliser mon handicap dans ma sphère professionnelle. Parce que j'ai toujours vu mon handicap comme un obstacle. Toute ma vie, en fait, ça a été un obstacle à tout ce que je voulais faire. Je sais pas, là. Je voulais faire de la planche à voile, je pouvais pas. Je pouvais, mais difficilement. Ouais. Tu sais, il y avait toujours « mais ». Oui, mais ça va être difficile. Oui, mais. Mm. Mais là, c'est le contraire. C'est mon handicap qui me rend... je sais pas trop exactement comment exprimer ça, mais ça me donne une légitimité... Et puis, ça m'élève, en fait. C'est grâce à mon handicap que je sens que j'ai maintenant un avenir professionnel que je trouve vraiment intéressant. Ouais. Ouais, dans lequel je vais pouvoir m'épanouir. C'est tellement vrai quand tu dis de mixer expérience professionnelle avec handicap, à quel point... On s'est toujours dit que c'était mieux de le cacher pour avoir des chances. Tu l'as tellement bien dit. Oui, ouais. Mais c'est ça, j'ai vraiment le sentiment que j'ai envie d'avancer plus loin là-dedans maintenant. C'est ça. Puis j'ai pas oublié la question de fin que finalement qu'on a posée à tous nos invités. Qu'est-ce que j'aimerais que les gens retiennent? Moi, j'aurais envie de dire toutes. Retenez toutes. J'allais dire toutes. J'allais dire toutes. Puis si vous avez oublié, vous réécoutez. Fait que... Mais... Que... On a juste touché à la pointe de l'iceberg. Oui. Tu sais, avec les billets... C'est pas pour rien qu'on a nommé nos billets dans le premier épisode, parce que mm-hmm. ces billets ont nécessairement un effet sur ce qu'on a couvert comme sujet, mm-hmm. la façon dont on a couvert les sujets.
Mais c'est la pointe de l'iceberg, puis le projet de balado, cette, la ressource que ça peut devenir, ça peut juste... c'est plus qu'une porte d'entrée pour se renseigner puis s'éduquer. Oui. Puis je pense que... mais il faut le faire, il faut vraiment que tout le monde prenne part à, son, à déconstruire le capacitisme intériorisé pour qu'il y ait une réelle différence, puis qu'il y ait un, que tout le monde prenne un moment de réflexion de faire « Ok, ben j'ai eu toute cette information-là, j'aimerais ça que les gens s'assoient puis se disent « Ok, mais sont où dans ma vie les femmes, les personnes en situation de handicap? » Ouais. Parce que nous, c'est la même question qu'on se posait avant de se rencontrer, avant de bâtir une petite communauté. Elles sont où? Mes amis en situation de handicap, j'en ai pas. Elles sont où les personnes en situation de handicap? On en a pas. Ouais. Fait que c'est, je pense que dans tous les milieux où est-ce qu'on on travaille, on s'implique, autres, c'est bon de se poser la question. Fait que moi, je pense que j'aimerais que les gens repartent avec une question. Elles sont où? Puis si elles, sont pas là, parce qu'il y a une bonne chance qu'elles soient pas dans vos cercles, qu'est-ce qui fait qu'elles participent pas activement dans vos cercles? Ouais. Qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'il y a des obstacles? Ouais. Est-ce que vous pouvez remédier à ces obstacles-là? Comment? Ouais, il y a toujours moyen d'a toujours des possibles améliorations. Exactement. Toi, Gwen. Qu'est-ce que j'aimerais que les gens retiennent? Je sais, c'est vraiment, c'est difficile à dire parce que toutes. Mais je pense un petit peu comme toi, dans le sens où vraiment de donner une meilleure visibilité. En fait, c'est plus mon espoir, c'est vraiment qu'en donnant de la visibilité à cette population, puis aux oppressions et discriminations qu'on peut vivre en tant que personne en situation de handicap, puis particulièrement femme en tant que femme en situation de handicap, ça juste de mettre en lumière ces enjeux-là qui sont particuliers, de les prendre en considération, de pensez vos événements, pensez vos projets. Pensez vos espaces. Vos espaces. C'est juste, qui est autour de la table, qui prend les décisions. Qui prend les décisions, pour qui. Ouais. Ouais. Prenez pas de décision à notre place. Venez nous consulter, ça va nous faire plaisir. On va donner notre avis, ça va nous faire plaisir. Ouais. Voilà. Donc, j'aimerais aussi... dire que si jamais vous avez envie de communiquer avec nous, vous pouvez le faire via notre compte Instagram, au coin du brasier, tout simplement. Vous pouvez aussi nous écrire un courriel à brasier@commercial3sexes.com, donc brasier brasier à commercial les3sex.com. Et puis, envoyez-nous des commentaires. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce qui a manqué, selon vous? Oui. Est-ce que vous auriez des nouvelles idées pour... Ouais, ça serait quoi, toi, ton plus grand rêve? Mettons, pas pour donner une suite, parce qu'on peut pas s'engager à une suite, nous. On le sait pas. Mais ça serait quoi, mettons, ton plus grand rêve, là? Comme ça. Là, je vais pas mettre de faux... Le but serait pas de créer de faux espoirs. Donc, j'aimerais juste... Moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens puissent écrire, nous dire leur avis. Qu'est-ce qui a manqué, selon vous? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous aimeriez souligner? Qu'est-ce qu'on pourrait approfondir? Et pour qu'on puisse se repencher avec tout plein de commentaires pour éventuellement une deuxième saison, si on a l'occasion. Ouais. On lance ça dans l'univers parce qu'on ne le sait pas encore si pourra, mais toute l'aide que vous pourrez nous apporter, autant simplement nous envoyant un message sur Instagram ou par courriel, que de l'aide financière via le site des trois sexes, ça va nous aider. Ça va nous aider. C'est très vrai. Ouais. J'aimerais ça aussi parler des trois sexes de la Fédération du Québec pour le planning des naissances. T'sais, ce projet-là était vraiment possible parce que
ces deux organismes communautaires détiennent une expertise déjà en santé sexuelle. Oui. Puis, c'est une expertise qui a été bâtie depuis, ben, pour la FQPN, bientôt 50 ans. Pour les trois sexes, un petit peu plus jeune, mais vous avez une mm-hmm. équipe qui est vraiment professionnelle. Oui, une équipe vraiment extraordinaire. Extraordinaire, ouais. Brillante, professionnelle. Mm-hmm. Puis, dont l'expertise est reconnue aussi par tous les milieux. Donc, absolument. Je veux dire, faut reconnaître aussi... les organismes, je vais prêcher pour ma paroisse, mm-hmm. je veux dire, les organismes communautaires font des projets exceptionnels avec quasiment pas de sous. Oui. Donc, je tiens à souligner que ces projets-là, vraiment, ils sont communautaires, puis ça mm-hmm. prend une certaine... c'est pour ça qu'on a voulu y donner aussi la forme plutôt orale, se donner aussi la permission de s'exprimer sur nos réalités à nous. Mm-hmm. Donc, voilà, je voulais juste remercier aussi les trois sexes, en fait, de nous avoir invités, que la collaboration oui. a super bien été. Merci à la FQPN d'avoir cru en ce projet-là et d'avoir... c'est ça, construit une si belle alliance, en fait, pour certainement faire une grande différence. Ouais. Vraiment. Ouais. Est-ce que c'est le moment des dons? Oui, donc si vous souhaitez, je rajoute, je le dis toujours, mais comme si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez nous laisser de beaux commentaires, des étoiles, partager autour de vous, vraiment partager autant que possible. Vous est aussi possible de nous envoyer un don en vous rendant sur le site de les3sex.com, LES3SEX.com, en cliquant sur « Faire un don ». En haut à droite de la page, en précisant que c'est pour le balado au coin du brasier, ça nous donnera peut-être l'occasion, éventuellement, de continuer le projet, mais on ne le sait pas encore. Ouais, parce que les dons font la différence. On vous invite également, si vous avez déjà donné aux trois sexes, également d'aller faire des dons à la FQPN. Oui. Continue sa mission de défense de droits en santé sexuelle et reproductive. C'est possible de faire des dons sur le site www.fqpn.qc.ca. Si vous avez des questions par rapport au projet de la fédération, par rapport à comment on peut vous soutenir en tant que groupe communautaire, en tant qu'individu ou en tant que professionnel de la santé, vous pouvez nous écrire à l'adresse info@fqpn.qc.ca. Puis moi, je vais terminer tout ça avec les fameux remerciements. On veut remercier l'équipe des trois sexes, donc Marion Bertrand-Huot, Francis Riendeau, Mylène de Repentigny et Marianne Gilbert. On veut également, je veux remercier mon équipe de la FQPN qui m'ont aussi soutenue dans ce projet-là. Puis elles étaient aussi excitées que moi que je fasse ce projet-là. Fait que mes collègues, je pense à vous, puis vous avez été d'un support incroyable. Et on veut remercier également la Fondation Solstice qui nous a permis financièrement de réaliser ce projet-là. Puis sans ces sous-là, ça n'aurait pas été possible. Ouais. Et une dernière chose, merci Laurence. Ah, merci Gwen, c'était tellement le fun! Féministement vôtre!